Bon, ok, merci. Bon, ok, ici, on se retrouve maintenant avec notre défenseur étoile, M. Cordeau. Pour ceux qui le sachent, c'est March Strike Style. Alors, mon Cordeau, comment ça s'est passé ici durant le premier match contre les Pirates de Furry? Écoute, ça a difficilement commencé. Un de nos joueurs a été pris pour être arbitre. L'autre joueur s'est pas présenté et à cause qu'il est en dessus au bord. Écoute, on s'est débrouillé comme on pouvait. Dans la ça a bien été, on espère que ça va passer. Ok, deuxième question, je ne perdrai pas longtemps. Écoute, le deuxième match qui s'en vient, qu'est-ce que vous expectez pour le deuxième match? Écoute, c'est un combat plus difficile parce qu'on a un double header. Écoute, on joue deux games de suite, ça va être très fatigant. Mais écoute, on a confiance en nos moyens, on a mangé notre pâté chinois et tout va bien aller. Ben, merci beaucoup, Cordeau. À toi, Yvon. Thank you, Yvon. Ok, here's the key players is for LaClique. Yeah, Kill Iggy, he's with us. Kill, what's your feelings for the feeling that we gotta skate hard, you know, 110% all the time, you know, go, 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 get across the blue line, get in there, go hard, try and hit the guys behind the net, create the impact, and boom, finish, yeah. Excellent. What about, what did you actually see about Maxime Lapierre, which is represented by Dom Fauteux, his first game for the club? Dom Fauteux, yeah. Oh yeah, he's showing up well. I think he can make a good addition to the lineup, you know, he's filling those spaces, getting some chances. I like that. Thank you very much. Back to you, Yvon. Ok, ici la foule est très bruyante. Ok, je l'entends pas beaucoup, Yvon. Ok, j'aimerais ça vous présenter maintenant le gardien de but des deux matchs, qui a heureusement accordé seulement 3 buts pour les deux matchs au total. Alors, vos impressions pour les deux parties? La différence, c'est les défenseurs. Je pense que les Cordeaux et Dominique, ça fait la différence entre nous autres et l'autre équipe. J'ai pas le même mérite pour ce match-là, ni l'autre avant, mais je pense que je me suis donné aussi quand même. Effectivement, c'est vraiment le cas. Vous avez vraiment bien travaillé aussi. Écoute, mettez votre équipe dans le match, même pas avec beaucoup de chats. Mais écoute, votre moyenne va vraiment descendre. Vous allez vraiment être dans les top coureurs de la ligue. Ouais, bien surtout parce que les autres coureurs jouent contre nous. Là, fait que c'est sûr que leur moyenne baisse pas mal. C'est sûr que j'aimerais pas jouer contre nous autres. Excellent. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée, mon gars, puis à la prochaine. Mais c'était Yvon. Yvon, à vous, dispatch. Ici, Dominique Chambers. J'aimerais ça savoir ici notre Maxime Lapierre star, le dernier fauteur. Dominique, tu as eu une difficile premier match, difficile, plein de chances de marquer, mais malheureusement, rien ne s'est concrétisé. Alors, malheureusement, pour la deuxième partie, par exemple, ça avait été. C'est quoi votre changement que vous avez ajusté entre les deux matchs? C'est sûr, la première partie, ben, ça n'a pas trop bien été, mais je me suis concentré, j'ai pensé vraiment à ce que j'allais faire à la deuxième partie. Je pense que sérieusement, j'ai tellement pensé que je pense que ça a vraiment donné. Excellent, man! Alors, ça, c'est bien excellent, mon gars, vous êtes bien repris, je suis vraiment content. Alors, j'espère pour toi que tu vas rester dans le match pour le prochain match. C'est bien certain, si je me rappelle d'Adelman, c'est bien certain, je suis bien content. Oh, mais je t'en souhaite du bon succès, moi. Ah, ben, tu sais, ben, merci, c'est bien gentil. À vous, Pierre Yvon.